Fake News. Une installation progressive de la campagne agricole, et c'est ce qui se constate dans le Yoba au sud-ouest. Le retour de la mousson se fait progressive, déjà quelques pluies enregistrées et des champs ayant passé le cap de la préparation. Une saison que les différents producteurs souhaitent bonne. Constat avec Alidou Badini et Ernest Kambiri. Une grosse pluie sur Dano et ses environs et plus de temps à perdre pour ces producteurs du Yoba dans le sud-ouest du Burkina. La campagne agricole 2020-2021 s'installe et les activités de préparation du sol occupent chaque famille de producteurs dans la région. Thomas Dakin Pouda et ses enfants sont ici en plein dans des activités de labour. Sur 1,5 hectare, ils comptent emblaver du maïs. Hier soir même, c'est bien plus tout le monde se content. Donc on commence à labourer hier matin, hier erreur là. Quand c'est débrouillé aussi pour avoir à manger. Dans cette autre exploitation familiale, le labour est quasiment terminé. Et après la pluie, le temps presse. Denis Biepoda et les siens peuvent enfin passer au semis. Nous sommes en train de semer du coton après la grosse pluie d'hier. Nous rendons grâce à Dieu. Vraiment, cette pluie, nous l'attendions. J'ai semé du maïs et après la pluie, l'humidité faisant, je suis en train de traiter. Des semis pour ceux qui sont suffisamment avancés, mais aussi des activités de traitement ou encore d'épanage de la fumée organique comme ici, dans ces exploitations en haute terre. La fumée organique est essentielle. C'est l'engrais des pauvres comme nous autres et son apport pour la production n'est plus à démontrer. Dans ce bas-fond rizicole de Zoupieli, non loin de Weissa, les activités de piquetage et de fabrication des diguettes occupent les exploitants qui entendent ici faire du programme présidentiel 1 million de tonnes de riz padi une effectivité. Ici, nous nous mettons à l'œuvre. Vous voyez déjà que c'est le piochage qui ont commencé. Il y a l'information aussi qui est là. Le début de la campagne ici, c'est déjà déterminé. Donc tout le monde doit semer du 1er au 20 juin. La mousson est de retour et plus de temps à perdre. Plus de 600 hectares sont déjà emblavés en maïs, en sorgho, en coton et en riz, nous a laissé entendre le directeur provincial de l'agriculture, ici en mission de supervision. Vous voyez qu'avec cette humidité, en tout cas bientôt dans la semaine, là, on peut avoir, en tout cas on peut constater de la levée, en tout cas au niveau des différentes spéculations. Mais on dit qu'on est en retard, non. Je pense qu'il n'y a pas de retard comparativement à l'année passée. L'année passée, c'était même plus inquiétant. En daba ou en charrue, les producteurs du Yoba mettent le cœur à l'ouvrage pour réussir ces premières opérations culturelles de labour, d'épandage de la fumée organique ou encore de semis qui ouvrent la porte à une bonne campagne de production agricole.